mes gosses et la télé. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qui à vos yeux a de la valeur. Et donc je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre, n'oubliez pas le chic planqué sous l'étagère, tout ce qui est beau et con pour moi. Je préfère que ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Liberté de penser. Je peux vider mes poches sur la table. Ça fait longtemps qu'elles sont trouées, mais c'est mon froc, j'en suis capable. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder, pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Je vais bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller, si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas, non, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.